toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration des cœurs que tu as sauvés. Ce matin, je veux t'adorer. De ma vie, en toi j'ai trouvé, en toi j'ai trouvé, en toi j'ai trouvé le salut, j'ai trouvé l'amour, j'ai trouvé la paix. Reçois au Dieu l'adoration. Nous t'acclamons. Nous
toi que nous voyons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Nous te louons ce matin. Alléluia. Père, prosterné devant ta face, nous t'adorons. Nos filles t'adorent. Yes. Mon âme t'adore. Yes. Mon chant t'adore. Mes paroles t'adorent. Mes pensées t'adorent. Mes pieds t'adorent. Oh, mes entrailles, on t'adore ce matin. Jésus ce matin. Alléluia. Celui qui a tout fait pour moi. Celui qui a tout fait pour moi. Et qui vit en moi. C'est toi que je vois.
toi que je vois. Oh, il n'y a eu puissance, puissance en son nom. C'est toi que je vois, c'est toi, c'est toi que je vois. Le puissant, tu es plus fort que le plus fort. Tu es meilleur, meilleur que le meilleur. Tu es vainqueur, vainqueur que le vainqueur. Tu es plus fort que le plus fort. Tu es plus fort que le plus fort. Tu es meilleur, meilleur que le meilleur. Tu es vainqueur, vainqueur que le vainqueur. Tu es plus fort. Que le plus fort, tu es plus fort que le plus fort. Tu es meilleur, meilleur que le meilleur. Tu es meilleur, meilleur que le meilleur. Tu es plus fort que le plus fort. Tu es plus fort que le plus fort. Tu es meilleur, meilleur que le meilleur. Tu es plus fort que le meilleur. Qu'on peut adorer le nom de Seigneur Jésus. On peut dire ensemble Jésus. Jésus. Appelons disons son nom Jésus. On clame ce nom Jésus. Oh Jésus. Jésus. Est-ce que le peuple de Dieu, les enfants bénis du Seigneur, les bons nous voient disons ensemble Jésus, oh, Jésus. Jésus.
Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour lui. Amen. Lui, Jésus-Christ. La réponse de Dieu pour nous. La réponse à tous nos besoins. La réponse à la sanctification. La réponse à la justification. La réponse à l'éternité. C'est lui, Jésus-Christ. Je te demande de l'acclamer. C'est pour lui que nous sommes là. Il est notre roi. Il est notre Seigneur. Il est Alpha et Oméga. C'est lui qui met le point qui ne peut pas se transformer en virgule. Au nom puissant de Jésus-Christ. D'autres pourront écrire ton histoire. Il pourrait mettre un point, mais ce n'est pas un point, c'est une virgule. C'est lui qui va la terminer pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons ensemble chanter. Je crois que vous avez ce document-là sur vos sièges. Nous allons chanter. Je suis forte, oui, plus que vainqueur, par le nom
asseoir. Que personne ne vous accuse, bien-aimé dans la foi. Tu es fort, tu es plus que vainqueur, non pas à cause de toi-même, mais à cause de Jésus-Christ. C'est lui qui est la racine de cette force qui est en toi. C'est lui qui est la racine de tout ce que tu as présentement. Les gens souvent te regardent et se posent des questions, mais comment est-ce qu'il fait? Mais c'est Jésus-Christ, bien-aimé. Il n'y a pas autre chose. C'est lui et lui seul. Bien-aimé, il faudrait que tu puisses le proclamer au nom de Jésus chaque fois que tu te lèves. Je suis fort, non pas à cause de moi, mais c'est lui qui est ma force. Que personne ne t'accuse. Dis, ce n'est pas de ma faute, c'est à cause de lui. Si tu dois t'apprendre à quelqu'un, ce n'est pas moi, c'est lui qui fait ça. Ce n'est pas moi. Bien-aimé, qu'aucune personne ne vienne exalter ta chair. Même quand les gens viendront exalter ta chair, refuse cela. Il faut exalter Jésus-Christ. Quel que soit le niveau où toi tu vas atteindre, quand les gens viendront pour t'exalter du nom, il faudrait que la gloire revienne uniquement qu'à Jésus-Christ. Tu sais, nous les enfants de Dieu, nous pouvons aussi nous glorifier. Mais 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du 30e verset, nous montre comment est-ce qu'on doit se glorifier. Il dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Tu t'imagines, tu achètes une Lamborghini pour ta fille qui va à l'école. Et puis on demande à ta fille, mais tu as une belle voiture, tu dis, j'ai travaillé pour l'avoir. Tu trouves que c'est normal? Mais elle est censée dire quoi? Mais c'est comme ça qu'elle est en train d'exalter qui? Mais son père. Bien-aimé, lorsqu'on te dira, mais tu es beau, du haut, c'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ah non, mais tu es brillant, c'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Il faudra que son nom soit trouvé à chaque fois dans ta bouche. Ça, c'est le secret au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes toujours dans notre séminaire. Les fondamentaux de la vie chrétienne. Mais prime abord, bien-aimé dans la foi, c'est avec une profonde gratitude et un grand respect que je me tiens devant vous pour vous annoncer l'évangile, pour vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Prends la parole devant vous dans l'exercice de la mission. Construis la foi, construis l'évangile de votre cœur. C'est un bonheur pour moi extraordinaire. C'est comme ça que les dimanches, quand je vous vois, je suis heureux. Pourquoi? Parce que je sais que nous allons tourner, mais quoi, autour de la parole de Dieu. Vous êtes le sceau de mon apostolat. Sans vous, il n'y a pas de mission. Sans vous, il n'y a pas de pasteur. Je suis honoré, je suis chéri, je suis encouragé. Je reçois même des témoignages de générosité au travers de vos vies. Je suis profondément encouragé et béni de vous avoir au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, ce séminaire que nous sommes en train de faire, bien-aimés dans la foi, il faudrait que tu me prêtes ton cœur. Il faut déposer ce cœur-là pour que nous puissions s'aimer la parole de Dieu. Là, tu es venu pour écouter la voix du Seigneur. Tu n'es pas venu voir un ami, tu n'es pas venu voir une copine, tu n'es pas venu voir le pasteur. Tu es venu entendre la parole, n'est-ce pas? La Bible dit ceci. Dieu a fait des pasteurs, il a fait des évangélistes pour le perfectionnement des saints. Là, toi, tu es déjà saint parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais il faudrait te perfectionner au travers de sa parole pour que le goût soit achevé. Parce que tu peux avoir une vie chrétienne où le goût est inachevé. Alors qu'en Christ, nous avons un goût achevé. Oui, Dieu donne tout. Ne croyez pas en ce genre de personnes qui te diront que Dieu ne donne pas tout. Nous avons un Dieu qui donne tout au nom de Jésus-Christ. Et c'est proportionnel à la vérité et à l'évangile que toi, tu vas entendre de lui. Parce que si tu ne comprends pas, il y a des choses que tu ne pourras pas expérimenter. Alors, nous sommes là dans la cardiologie du cœur. Aujourd'hui, c'est le troisième numéro sur la cardiologie. Nous sommes en train de parler de l'étude du cœur. Le premier dimanche, nous avons étalé le cœur de pierre et le cœur de chair.
Le deuxième dimanche, nous avons vu un peu le fonctionnement du cœur de chair. Alléluia. Nous savons que nous avons un cœur qui est doux et un cœur comment qui est humble. Amen. Aujourd'hui, nous allons vraiment aller dans les profondeurs de Proverbe chapitre 4, verset 23. Mais nous constatons véritablement que lorsque nous sommes en train de parler de cœur, nous ne sommes pas en train de parler de l'anatomie de l'homme. Nous ne sommes pas en train de parler de l'organe. Nous sommes en train de parler de l'homme intérieur. La partie invisible de l'homme. Le véritable toi. L'homme invisible. C'est ça que nous sommes en train de toucher. Amen. C'est cette partie que le Seigneur touche. Quand il dit, j'ôterai ce cœur de pierre. Et je mettrai un cœur de chair. Et c'est ce cœur de chair là qui transcende jusqu'à ton physique. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais que vous preniez attention, véritablement. Parce que c'est de là que découle ton miracle. La Bible dit, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc ce n'est pas l'évangile que le Seigneur a décidé de te faire du bien. Rends note et écoute la prédication au nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons prendre Proverbe chapitre 4 à partir du verset 23. Proverbe chapitre 4 à partir du verset 23. En lui second, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de quoi? De la vie. Ça sort à l'écran? Très bien. Nous allons encore lire la version parole de vie. Il dit, par-dessus tout, veille ton cœur, car il est la source de quoi? De la vie. Nous allons prendre encore en français courant. Il dit, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. J'ai pris toutes ces traductions-là pour que nous puissions réaliser l'importance de ce verset. Tu vois, garde ton cœur plus que toute autre chose. Je crois que si nous avons tendance à blaguer avec une chose, mais c'est avec ce cœur-là. Même quand l'apôtre, notre apôtre, prie pour nous, il dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur. C'est vraiment très important. Parce que quand il parle de garder, quand tu parles de surveiller, quand tu parles de veiller, quand tu parles de préserver, en fait, tu es en train de jouer un rôle comme un gardien. En fait, tu es le gardien de ce cœur-là. Et c'est ta responsabilité à toi. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Il faut arrêter de croire ça. C'est ta responsabilité à toi. Quand tu vas l'interroger, même en Apocalypse chapitre 3, le verset 20, il dit, je me tiens à la porte, je crois, je frappe. Donc Dieu même n'a pas cette capacité de violer ton intimité. Il n'a pas cette capacité de violer. Non, il frappe à la porte. Mais un Dieu qui frappe et qui doit ouvrir. Il dit, si tu ouvres, j'entrerai. Donc c'est comme ça que toi, tu es le gardien de ton cœur. C'est toi qui dois laisser entrer ceux qui doivent entrer, et c'est toi qui dois laisser sortir ceux qui doivent sortir, et maintenir ce qui est dans la maison. Ça, c'est le rôle du gardien. Et Proverbe est en train de mettre la lumière en te disant que toi, tu dois être le gardien de ton cœur. Pourquoi? Parce que c'est de là que découle la vie. Bien-aimé, là où la vie sort, tu ne peux pas blaguer avec. Tu ne peux pas mettre tout là-dedans. Tu dois vraiment trier, sélectionner ce que tu dois déposer dans ce cœur-là. Parce que le cœur, c'est un amplificateur. Ce que tu déposes là-dedans, il va te transformer 100 fois 1000. Vous connaissez un peu le cœur. Le cœur, c'est comme la terre. Lorsque tu mets une graine en terre, qu'est-ce que la terre produit? Mais elle va te produire en quantité industrielle ce que tu as déposé dans cette terre. Mais c'est comme ça le cœur. Donc quand la Bible te dit de préserver ce cœur, parce que c'est de
gardé, chéri. J'ai besoin d'une personne peut-être là. On suppose que c'est lui le gardien. C'est quoi le rôle d'un gardien? Le gardien, il garde, il surveille, hein? Il veille tous ceux qui doivent entrer ou tous ceux qui doivent sortir. Donc lorsqu'il est en train de veiller, quand il voit quelqu'un qui est en train de venir, qui ne fait pas partie soit de l'entreprise, mais il va bloquer cette personne-là. Toi, tu n'as pas le droit d'entrer. Parce que j'ai reçu un mandat. Toi, tu n'entres pas. Et ici, il y a peut-être des gens qui doivent sortir peut-être d'ici. C'est lui qui te dit de sortir par là. Vous voyez un peu à la banque, lorsqu'il y a un fouteur de troubles, on demande de faire sortir la personne. Donc c'est ça le rôle du gardien. Le gardien veille, il surveille, il préserve. Ce matin, bien-aimé dans la foi, j'aimerais que tu puisses réaliser que c'est toi qui joues ce rôle-là au niveau de ton cœur. C'est comme ça que tu ne dois pas laisser n'importe qui pénétrer dans son cœur. Tu ne dois pas laisser n'importe quoi pénétrer ton cœur. Parce que si tu laisses ces choses-là pénétrer ton cœur, il aura des troubles. Tu sais, nous avons un modèle. Dis avec moi, nous avons un modèle. Le modèle, c'est qui? Le modèle, c'est Jésus-Christ. Tu peux partir maintenant. À la veille de sa crucifixion, voici Pierre, il est en train de dire que le Fils de l'homme sera livré. Et Pierre dit que cela ne tienne, ça n'arrivera pas. Mais quelle était la réponse de Jésus-Christ? Riez de moi, Satan. Mais Pierre n'était pas Satan. Mais la pensée qui venait de monter dans le cœur de Pierre n'était pas la pensée de Dieu. Et puisque ce n'est pas la pensée de Dieu, nous devons rejeter cette parole. Riez de moi, Satan. Parce qu'il connaît la loi de cette parole. S'il laisse pénétrer cette parole en lui, ça peut créer des dégâts. Il dit, riez de moi, Satan. Parce que cette parole, ce qui monte dans ton cœur présentement, n'est pas la pensée de Dieu. Et tout ce qui n'est pas la pensée de Dieu, tu dois rejeter ça au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il était dans le désert pour être tenté, le diable est encore venu. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Vous voyez comment est-ce qu'il est malhonnête. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, mais je ne suis pas le Fils de Dieu parce que je fais. Je suis enfant de Dieu parce que je suis né de lui. Donc déjà son introduction, déjà, c'est pour te blaguer, te trafiquer. Donc si tu obéis déjà à ce qu'il te demande de faire, tu veux pratiquer quelque chose afin de devenir ce que tu es déjà. Donc il dit que si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de la parole de Dieu. Donc il ne va pas s'identifier à la parole de l'ennemi. Il ne va pas laisser cette parole la pénétrer son cœur, mais il va faire sortir cette parole qui est déjà enracinée et fondée dans son cœur. L'homme ne se nourra pas seulement que de pain, mais de la parole de Dieu. Il vient encore, il va te dire, non, si tu te jettes, le Seigneur lui-même, il va envoyer des anges pour ne pas que ton pied heurte. Mais qu'est-ce qu'il dit encore? Tu ne tenteras pas aussi ton Seigneur. Donc tu vois que le Seigneur, il ne va pas s'identifier à cette parole qui vient, mais il est enraciné et fondé. Voilà pourquoi la démarche de quelqu'un qui a véritablement accepté le Seigneur Jésus-Christ doit marcher avec la parole. Parce qu'à chaque fois qu'on posait la question à Jésus, à chaque fois que le diable voulait tenter Jésus-Christ, il pouvait dire, il est écrit. Il est écrit. Voici une personne qui doit avoir cette capacité, ce privilège de dire que Dieu m'a dit. Mais il ne dit pas Dieu m'a dit. Il dit il est écrit. Juste pour nous faire comprendre que la parole doit avoir l'autorité dans ta vie. Laissons ce genre de paroles. Non, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Jésus devait avoir cette essence-là de pouvoir
jamais dit que Dieu m'a dit. Mais il ne dit pas que Dieu m'a dit, il dit qu'il est écrit. Bien aimé, il faudrait que nous retournions à la parole du Seigneur. Parce que c'est là qu'il y a la clé de ton évolution et ta maturité spirituelle. Revenons ici à la parole. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hérésie. Pourquoi? Parce que chacun veut venir avec son intelligence. Bien aimé, tu n'es pas intelligent. C'est la Bible que nous devons. C'est l'héritage qu'il nous a donné. Mais comment toi, un homme, tu arrives chez un notaire et tu manifestes tout ce que toi, tu auras envie de donner le jour que toi, tu ne seras pas là. Et tu arrives à sceller, toi, tes dernières paroles. Et c'est le Seigneur qui ne pourra pas le faire. C'est-à-dire, toi, aujourd'hui, si tu tombes, on pourra dire ta dernière volonté. Voilà ce que je veux que tu donnes ci, je veux que tu donnes ça. Mais le Seigneur aussi, il a fait ça pour toi. C'est ça qui est le testament. Et pourquoi tu refuses de comprendre? Pourquoi tu refuses de lire? Si tu veux hériter de ton père ou de ta mère, tu ne vas pas les demander, oncle, oncle, mon papa là, il a quoi? Ma maman là, même elle a laissé quoi? Tu iras devant le pour que le notaire fasse quoi? Mais toi aussi, tu as un testament. Voici le testament qu'elle a. Et tu refuses de lire la parole du Seigneur. Tu ne fais qu'entendre la parole de Dieu dans la bouche de certaines personnes. Et le drame, c'est que la majorité de ce que tu entends ne provient pas de la parole de Dieu. Beaucoup de choses reviennent des réflexions personnelles. Comme tuer les gens, faire le rituel à l'envoyeur. Montre-moi un verset, ça n'existe pas. Nous avons le testament qui est là. Et c'est ça que nous devons garder dans notre cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc quand le Seigneur nous dit par exemple, je frappe à la porte. Et c'est toi qui dois ouvrir. Donc c'est le Seigneur que tu dois laisser pénétrer dans ton cœur. Tu ne peux pas en même temps laisser le Seigneur entrer et faire entrer aussi une autre personne. Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Donc tu ne peux pas bien aimer dans la foi. Je parle de ça maintenant comme les fondamentaux de la vie chrétienne. Lorsque tu as entendu la parole du Seigneur, ce qui a fait que tu es devenu enfant de Dieu, bien aimé, tu dois garder cette parole. Mieux, tu dois sélectionner toutes ces paroles qui viennent de la Bible et déposer dans son cœur. Parce que la Bible dit, l'homme ne se nourra pas seulement que de pain, mais de la parole de Dieu. Parce que l'homme intérieur ne se nourrit pas de ce que tu manges tous les jours. Il se nourrit de cette parole. Donc si le cœur a besoin de quelque chose, le cœur a besoin de la parole du Seigneur. Prenons Colossiens chapitre 3, le verset 16. La parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de quoi? Mais comment est-ce que tu vas entretenir, toi une femme, pour entretenir ton corps, ta peau? Mais tu utilises quoi? Mais des pommades pour pouvoir embellir, pour que tu puisses avoir quoi? Une belle peau. Mais ce cœur-là, pour pouvoir aussi l'entretenir, qu'est-ce que tu dois faire? La Bible dit que la parole de Christ habite parmi vous. Comment? Donc, étant le gardien de ton cœur, laisser entrer avec abondance, c'est quoi? C'est pas la parole d'un pasteur, c'est la parole du Christ. C'est cette parole là que tu dois laisser entrer dans ta vie. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par quoi? Par des psaumes, par des cantiques quoi? Ils ont mis un point d'honneur. Par des cantiques quoi? Par des cantiques quoi? C'est pas des cantiques Seigneur quand ma victoire. Ça, ce n'est pas un cantique qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le cantique qui vient du Seigneur Jésus-Christ ne sont que les paroles révélées dans sa Bible. Et quand il dit que tu es plus que vainqueur, cela veut dire que tu es plus que vainqueur. Donc c'est pas ça que nous devons entretenir quoi? Mais ce cœur-là. C'est-à-dire, c'est un boulevard que tu dois laisser. Lorsqu'il s'agit de la parole de Christ,
parole de Christ. Tu vois, même dans la Bible, il y a des mots-clés. Ça, c'est la Bible. Et dans la Bible, il y a la parole de Christ. Souvenez-vous, lorsqu'il était sur le chemin d'Emmaüs, qu'est-ce que le Seigneur disait? Il dit, commençant par Genèse, il leur expliquait ce qu'il le concernait, lui. C'est comme ça que la parole que tu dois laisser entrer dans ton cœur, ce sont des paroles qui concernent le Christ. Exode chapitre 4, le verset 20, nous parle de la malédiction générationnelle. Ça, ce n'est pas la parole de Christ. La parole de Christ dit, il s'est fait malédiction pour que moi je sois une bénédiction. Donc ce que je garde dans mon cœur, ce n'est pas la malédiction générationnelle de mes pères, mais c'est la parole de Christ. Et quelle est cette parole de Christ? C'est que lui s'est fait malédiction pour que moi je sois une bénédiction. Ce que je garde dans mon cœur, c'est la parole de Christ. La parole de Christ est liée à tout ce que Christ a fait pour toi. Il a fait des choses extraordinaires. Mais tout ce qu'il a fait, je dis bien qu'il ne l'a pas fait pour lui parce que lui, il est Dieu, il n'en a pas besoin. Tout ce qu'il faisait sur la terre, il le faisait avec un arrière-plan. Quel est cet arrière-plan-là? C'est toi et moi au nom de Jésus-Christ. Donc c'est cette parole-là que nous devons garder dans notre cœur. Ce qui fait qu'il y a des troubles souvent dans vos esprits, c'est parce qu'il y a des gens qui viennent vous annoncer l'évangile. Et au lieu de vous révéler l'évangile, ils vont vous révéler les entités de votre famille à partir de la Bible. Et c'est ça qui va créer des troubles dans votre cœur. Nous, nous sommes là pour l'évangile. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je suis ambassadeur de Christ. Parce que Christ porte en lui la bonne nouvelle. Christ porte en lui la vie. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. C'est cette parole-là que nous devons laisser entrer dans notre cœur. Parce qu'il y a des versets dans la Bible, lorsqu'on va te lire, tu commences à trembler. Nous sommes là. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint. Pourquoi? Mais la bonne nouvelle. Il dit, pour annoncer quoi? Mais la bonne nouvelle. Mais comment est-ce que toi tu arrives dans une salle, on dit ta mère veut te tuer. Est-ce que ça c'est une bonne nouvelle? Ça peut être une vérité, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle? Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint. Pourquoi? Pour annoncer, ta mère veut te tuer. Est-ce que ça c'est une bonne nouvelle? Ça peut être une vérité. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est une bonne nouvelle? La bonne nouvelle serait quoi? Toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Mais c'est ça que nous devons garder dans notre cœur. Mais que le diable veuille me tuer, mais c'est son droit le plus absolu. Mais je ne peux pas changer ce qu'il veut de moi. Mais être aussi en Christ, c'est mon choix et ma position que j'occupe dans le cœur de Dieu. Et ça sera volonté contre volonté. Toi, ta volonté, c'est de me tuer. La volonté aussi du Seigneur, c'est de me garder. Et il me garde toujours. Donc, c'est cette parole-là que nous gardons dans notre cœur. Donc, tu ne peux pas bien aimer dans la foi. Laisser n'importe qui ou n'importe quoi pénétrer ton cœur. Parce que c'est de là que sortent les maux et les difficultés. C'est comme ça que Jean le dit autrement. Tu sais comment est-ce que Jean le dit? Prenez 1 Jean chapitre 4, le verset 1er. Lève-moi et puis on va lire ça ensemble. Qu'est-ce qu'il dit? Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir qu'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Asseyez-vous. N'ajoutez pas foi à quoi? À tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Il ne faut pas dire amen à tout ce qu'on te dit, bien-aimé. Il faut que tu discernes pour voir si cette parole-là vient de notre Seigneur. Parce que tu ne peux pas dire amen à tout. Tu ne peux pas déposer cette parole-là dans ton cœur. Tu dois discerner. Et celui qui l'accuse directement, il dit les faux prophètes. Voici des gars qu'on doit arrêter. C'est des gars dangereux. Il dit des faux prophètes sont venus dans ce monde.
De quoi? Il y a des gens aujourd'hui qui humilient la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils disent que la grâce n'a pas cette capacité de te prendre en charge du début jusqu'à la fin. C'est vrai que Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha, mais il y a des choses que tu dois faire pour que tu puisses entrer dans ta bénédiction. Bien-aimé, c'est un danger quand tu les écoutes. La Bible dit, tu ne dois pas ajouter foi à ton esprit. Non. Parce que si tu ajoutes foi, ça veut dire que tu as laissé cette parole-là pénétrer dans ton... Tu sais, le diable n'a jamais changé sa stratégie. Il est toujours pareil. Lui, il a son âme, c'est le mensonge. Il voit Adam et Ève. Il dit, si tu mens, tu seras comme... Oh. La capacité du prophète, c'est celui qui a cette capacité de dire ce que tu vas devenir dans le futur. Tout en te faisant croire ce que tu dois faire pour que tu puisses avoir cette chose-là. Adam et Ève étaient Dieu sur la terre. C'est eux-mêmes qui ont nommé les animaux. Mais il dit, il y a une dimension que tu n'as pas encore atteinte. Mais si tu manges à cette arbre, tu deviendras comme Dieu. Donc il te demande de faire une chose pour que tu puisses devenir cette chose-là. C'est pas ça? Mais c'est comme ça aussi que les prophètes viennent. Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais on doit aller poser une action dans ton village. Et après ça, tu seras complètement... Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? L'œuvre de la croix n'a donc pas cette capacité de pouvoir te délivrer totalement, exclusivement. C'est-à-dire, lui, il va venir terminer le travail que Jésus-Christ a fait pour que toi, tu sois délivré. Bien-aimé, et puis toi, tu dis amen à ça. Mais c'est grave. C'est se détourner du regard de Christ. Mais comment est-ce que tu peux laisser ces champs de paroles-là pénétrer dans ton cœur? Bien, mais quand tu arrives à accepter ces champs de paroles-là et que ça dépose là, ça entre dans ton cœur, tout ton esprit est au village. Ton esprit n'est plus en Christ. C'est comment est-ce que je vais arriver au village pour aller parler à cette eau? C'est comme ça qu'il y a des gens, peut-être ici sur Internet, ou bien peut-être même ici, et ils attendent avant d'arriver en Israël. C'est-à-dire qu'ils ont présentement une prière dans leur cœur. Et ils veulent aller sur le mur de lamentation, aller déposer cette prière-là pour l'accomplissement de leur souhait. Alors que la Bible dit, tout ce que tu me demanderas en mon nom, je le ferai au nom de Jésus-Christ. Il n'a rien ajouté. Par la foi, nous recevons toutes choses. Mais tu as laissé entrer parole mensongère et tu as accepté cette parole, tu as donné foi à cet esprit qui t'a parlé et voilà maintenant qu'il y a une modification. C'est vrai que tu pries, mais il y a comme un goût d'inachevé, parce que tant que je n'arrive pas encore en Israël, tant que je ne fais pas ci, tant que je ne fais pas ça, il y a des choses que je n'aurai pas. Toi-même tu te crées des limites. Qu'est-ce qu'on pourra encore faire pour toi, bien-aimé? Mais comment tu peux convaincre une personne qui a accepté Jésus-Christ qu'il est encore possédé? Et tu dis amen parce que tu vois que ta vie est bizarre. Mais quand nous interrogeons l'apôtre Paul, quand nous voyons des gens qui sont dans une communauté et ces personnes se comportent mal, mais qu'est-ce que l'apôtre Paul, lui qui est notre apôtre, mais qu'est-ce qu'il accuse? Il dit, ne savez-vous pas que votre temple est le corps du Saint-Esprit? Il ne dit pas que vous êtes des sorciers, on doit aller faire une action prophétique pour vous délivrer. Ne savez-vous pas? C'est la conscience. Parce que tu peux ne pas être conscient de ce que tu es devenu en Christ. C'est comme ça que tu vas voir, il y a des gens qui sont chrétiens et ils cherchent maintenant la délivrance. Et cette délivrance n'a rien à voir avec la parole. Alors que la Bible dit, si vous acceptez Jésus-Christ, vous serez réellement. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement. Ils ont mis virgule à cette phrase. Et si le prophète fait des actions prophétiques, tu seras totalement et définitivement libre maintenant dans ta vie. Tu as pour habitude d'écouter ce que je dis, donc ça ne fait plus rien. Mais il y a mourir. Pourquoi? Parce que le prophète a demandé quelque chose afin de pouvoir rentrer dans cette bénédiction.
conscience que la bénédiction était liée à son sacrifice qu'il devait faire. Mais il n'a pas eu l'argent pour faire. Donc il y a comme un mur qui se dresse devant lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu faire l'offrande sacrificielle pour qu'il soit béni. Bien, mais tu as laissé entrer la parole qui ne vient pas de Christ. La parole qui vient de Christ, c'est la grâce. La parole qui vient de Christ, c'est l'amour. La parole qui vient de Christ se repose non pas sur tes performances, mais se repose sur ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha. Mais on viendra te faire comprendre qu'il y a une bénédiction qui ne se repose pas sur Christ. Il y a une bénédiction qui se repose sur ce que toi tu vas faire. Et dès que tu fais ça, tu vas voir les choses se décanter. Bien-aimés, nous, nous avons choisi Jésus-Christ. On n'a pas choisi quelqu'un d'autre. Nous, nous avons accepté Jésus-Christ. On a laissé Moïse. Moïse, c'est la loi. Jésus-Christ, c'est la grâce. Jésus-Christ, c'est l'amour. Jésus-Christ nous dit, un jour il y a quelqu'un qui me pose la question, mais pasteur, donc pour vous tout est la gratuité. J'ai dit non. Si je te dis que c'est gratuit, c'est faux. Rien n'est gratuit, tout se paye. Tu veux une guérison, tu dois payer. Là je le dis à haute et intelligible voix. Tu veux une bénédiction, mais tu dois payer. Mais quel est donc ce prix? Effectivement, nous devons toucher le cœur de Dieu. Pour recevoir la bénédiction, nous devons effectivement toucher le cœur de Dieu. Mais nous allons toucher le cœur de Dieu avec quoi? Avec des 100 000 là? C'est avec quoi tu vas toucher le cœur de Dieu? Jésus dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Voilà pourquoi tu m'as formé encore. Pour faire au Père ta volonté. La volonté de Dieu, c'est Christ à la croix de Golgotha. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est Christ à la croix. Ce qui fait que tu es béni, c'est Christ à la croix. Ce qui fait que tu es délivré, c'est Christ qui est à la croix. Pas autre chose. Mais comment est-ce qu'on va enlever le Christ et déposer toi ton argent? Vous avez vos cousins dans la Bible, ils s'appellent Bar-Jésus. Il est venu voir Philippe. Vraiment, l'onction là, il veut un peu quelque chose. Il dit, retourne et ton argent. Tu viens ici à l'église avec l'argent? Pour une bénédiction. Bien aimé, c'est criminel. En fait, tu es en train de tuer le Christ deux fois. En fait, c'est méchant. Mais ce Christ rempli d'amour, ce Dieu rempli d'amour, est devenu un Dieu transactionnel, un Dieu du pognon. Tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas la grâce de Dieu. Mais si tu laisses entrer ces paroles de ces prophètes là dans ton cœur, mais tu ne peux pas avoir cette liberté en Christ. Tu ne peux pas avoir la joie en Christ. Ça sera difficile et même impossible. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu dois fermer la porte à quelqu'un en tant que le gardien de ton cœur, le faux prophète, il faut fermer la porte. Il peut même ne pas s'appeler prophète. Il peut même s'appeler pasteur comme moi. Peut-être même apôtre. Peut-être mon révérend. Peut-être aujourd'hui, si tu vois prophète, tu vas peut-être peur de prophète. Il peut venir un autre nom. Ça peut être ton voisin. Dès que ce qu'il dit n'est pas conforme à l'œuvre de Christ, arrière de moi, Satan. Non, tu sais, il y a des gens qui n'ont pas pitié de toi. Oh. Bien, mais il ne faut pas aussi avoir pitié d'eux. Parce que tu dis, hey, mon frère, il ne faut pas faire ça, il va continuer. Quand tu as dit, arrière de moi, Satan, c'est arrivé là-bas. Pardon, excuse-moi, la personne là va libérer ton périmètre. Bien, mais ne blague pas avec la parole. Ce n'est pas elle que nous bénissons. Ce n'est pas elle aussi que nous maudissons. Ne blague pas avec elle. La Bible déclare que tout a été créé par ça. Il soutient toute chose par ça. Mais comment est-ce que toi, tu peux blaguer avec cette parole par laquelle tu as été créé? Tu peux blaguer avec tout, sauf avec la parole. Ne blague pas avec ça. Voilà pourquoi tu ne dois pas laisser entrer n'importe qui et n'importe quoi. Mais regardez le problème d'Adam et Ève. Ils n'avaient pas péché. Vos pasteurs, vos prophètes vous disent, c'est parce que tu as péché que le diable est venu dans ta vie. Adam et Ève n'avaient pas encore péché. Oui ou non? Le diable est venu, mais il n'est pas venu. Mais quel était le problème d'Adam et Ève? Il y avait la parole de Christ qui était là. Tu peux manger de tout, sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du...
Le gars est venu aussi. Mon gars, Dieu t'a-t-il réellement dit, c'est-à-dire même dans la question, il ment. Tout ça pour te désaxer. Le problème d'Adam et Ève, c'est parce qu'ils ont laissé la parole qui était claire dans leur cœur et ils ont accepté la parole de l'ennemi. C'est comme ça qu'ils ont commencé à être séduits. Quelle est cette parole qui est dans ton cœur? Là, présentement, tu as déjà lu ce passage-là. Je le dis avec assurance. Toute âme forgée contre toi est nulle. Et tu l'as déjà lu ou pas? En tant qu'enfant de Dieu, tu connais. Mais quelqu'un t'appelle tout de suite du village. On vient de rêver que tu vas mourir d'ici le mois de décembre. Voici notre parole qu'on vient de te donner. Mais qu'est-ce que tu fais de cette parole? Ah bon? Pardon, il faut bien m'expliquer le rêve là. Parce que vraiment, je veux comprendre pour que je puisse... Yaka! Détruis ça! Non, c'est que tu étais vers une eau. Ok, actuellement, je ne vais plus à la plage, je ne vais plus ici, et puis quoi encore? Dès que la personne dit ça, bien aimé, la prière a besoin de la foi, mais la foi n'a pas besoin de prière. Quand la personne finit de dire ça, tu dis, oh, oh, c'est pas moi que tu as vu dans le rêve là. Parce que moi, ma vie est cachée en Jésus. Ça ne peut pas m'atteindre, bien aimé. Et ce qui prouve que cette parole-là descend et découle vraiment de ton cœur, lorsque tu vas entrer prier, tu vas dire, Seigneur, merci parce que je sais que tu me gardes. Dès que tu commences à lever l'épée, cela démontre que tu n'as jamais cru en ce verset-là. Mieux, le diable te fera comprendre que tu dois annuler. Mais bien aimé, c'est parce qu'aujourd'hui, on t'a dit qu'il y a quelqu'un qui tente de te faire du mal. Aujourd'hui, même sûrement, il y a quelqu'un qui a essayé de te faire du mal. Mais la personne n'a pas pu. Non pas parce que tu as annulé, mais parce que notre Père ne dort pas. Il veille chez toi continuellement. Il dit, je suis Dieu et je domine sur tout. Tu viens de recevoir une information. Tu paniques. Et tu trembles. Mais pourquoi? Mais tu ne peux pas en même temps avoir la foi au beau fixe et que l'incrédulité aussi monte. Il y a un qui va céder la place à l'autre. Je sais que tu es enfant de Dieu. Oui, je sais que Dieu me protège. Je sais que Dieu me protège. Mais les deux ne peuvent pas être au beau fixe. Il y a un que tu vas chérir plus que l'autre. Et quand tu commences à avoir la peur, nous comprenons que c'est la parole du sorcier que tu es en train de chérir. C'est-à-dire, c'est parole contre parole. Jésus dit, mon fils, tout âme forgée contre toi est nul et sans effet. Tu dis, amen. L'autre vient, ce soir, je vais te tuer. Et puis tu commences à trembler. Tu trembles pourquoi? Mais je peux vous dire quelque chose. En fait, le diable a besoin de tes accès. Donc, il doit créer l'atmosphère de peur et de crainte pour finir avec toi. Donc lui-même, là, souvent, il envoie des émissaires pour te faire comprendre qu'en réalité, on veut te faire du mal. Et quand tu commences à trembler, c'est-à-dire le territoire est favorable pour lui enfin de pouvoir faire ce qu'il veut. Parce que c'est par la foi que nous sommes agréables au Seigneur Jésus-Christ. Je dis et je ne fais que répéter ici que c'est par la foi que nous avons accès à la grâce. Tu veux la grâce de la protection, mais c'est par la foi. Tu veux la grâce de quoi? Qu'est-ce que tu veux? Et ce n'est pas la foi que nous avons accès. La Bible dit, oh, sans la foi, nous ne pouvons être agréable à Dieu. Et la foi, ce n'est pas de prêcher la foi. La foi, c'est de parler de Christ. Et quand tu parles de Christ, la foi naît. C'est ça la foi. Mais toutes ces personnes qui étaient dans la Bible avec le Seigneur, mais aucun prédicateur n'est venu faire un séminaire sur la foi. Non. La Bible déclare qu'ils ont entendu parler d'eux. Ils ont entendu parler d'eux. Lorsque tu entends parler de Jésus-Christ, la foi... Voilà pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lorsque nous entendons la parole de Christ, la foi ne pourra que naître dans notre vie. Donc, bien aimé dans la foi, il faudrait que tu te détournes véritablement de toute parole qui ne vient pas de Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible dit, mais examinez, il faut faire quoi? Il faut examiner. Ce n'est pas en fonction de l'éloquence du pasteur. Quel que soit son titre, quel que soit son archibishop,
renouvelé par l'intelligence qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Laissez ces grands titres-là. Ça fatigue les gens. Amen. Amen. Arrêtez ça. Concentrez-vous uniquement que sur la parole du Christ. C'est cette parole-là qui nous donne à la vie. Amen ou pas, amen. Tu peux recevoir tant de paroles de grâce, d'amour. Mais vous avez vu votre fait qui est venu en témoignage ici. Il traversait des périodes difficiles. Il avait la révélation du Christ, de cette grâce, de son amour. Mais c'était tellement chaud qu'il y a un proverbe qui dit, dès que je frappe cette action prophétique-là, il n'y a rien. Tout décolle. Avec toute la vérité, il est parti. Il est arrivé là-bas, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Sors. Il est sorti. Quelques temps après, les choses se sont passées correctement. Nous devons laisser seulement, bien-aimé. Si aujourd'hui tu as accepté Jésus-Christ, si aujourd'hui tu as accepté le Seigneur, il dit que ce n'est pas la prédication de la foi que nous sommes devenus enfants de Dieu. Si ce n'est pas la prédication de la foi que nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est aussi par la prédication de la foi que tu vas obtenir toutes choses. Et quand le Seigneur nous envoie pour le perfectionnement de ses saints, c'est au travers de sa parole. C'est au travers de sa parole. Non pas autre chose. Si nous devons déposer encore un sacrifice pour nous délivrer, nous nous appuyons sur le dos de Christ qui est notre sacrifice, afin de pouvoir recevoir toute chose. Oui, je dois venir devant l'autel du Seigneur avec un sacrifice. Je suis d'accord et je dis amen parce que c'est la vérité. Mais cette offrande, c'est le Christ qui est mort à la croix de Golgotha pour nous. C'est lui qui est mort à la croix de Golgotha. C'est ça que tu transportes. Voilà pourquoi lorsque tu es en train de prier, que tu fermes les yeux, imagine-toi l'œuvre de la croix. Parce que c'est de là que découle la puissance. C'est comme ça que quand l'apôtre Paul arrive en Corinthiens, mais qu'est-ce qu'il nous fait comprendre? Mais la puissance de l'évangile, c'est quoi? Mais c'est la croix. Parler de l'évangile sans parler de l'œuvre de la croix, c'est comme avoir une boussole sans aiguille. C'est comme avoir un puits sans l'eau. C'est vide, c'est rien, il n'y a rien dedans. Et nous devons laisser seulement que cette parole. Dites-moi, sortez de ce qu'on appelle le développement personnel. Nous, nous sommes là pour développer le Christ qui est en vous. Arrêtez ça. Développons le Christ qui est en nous. Il a besoin de grandir parce que nous serons grands. Par rapport à la révélation de la parole du Christ, tu vas grandir lorsque tu vas manger de la nourriture solide. Tu vas grandir lorsque tu vas te faire une image de Christ. Tu vas grandir et tu seras transformé en la même image de gloire en gloire lorsque tu vas arriver là à voir tel qu'il est. C'est là que nous grandissons. C'est là que nous voyons le Christ. Si tu n'arrives pas à le voir, bien aimé, tu ne pourras pas le posséder. Il faudrait que tu arrives à le voir. Et nous le voyons dans sa prédication. Donc, toute personne qui viendra te dire, voici des choses que toi tu feras pour que tu sois béni. Bien aimé, je te dis et je signe que ce n'est pas la parole du Christ. Ce n'est pas la parole du Christ. Si je dois faire des choses pour obtenir la bénédiction de Dieu, il faut dire, le pasteur avait dit, ce n'est pas la parole qui vient de Christ. Je vois 5 personnes qui vont être élevées dans le business. Une bénédiction qui plane sur vos vies maintenant. Venez faire une offrande pour qu'on puisse élever ça. Ce n'est pas la parole de Christ, c'est faux. C'est faux. La Bible déclare qu'il s'est fait malédiction pour que moi je sois comment? Et riche, il était, il est devenu quoi? Pour que moi je devienne comment? Mais qu'est-ce que tu me demandes? Qu'est-ce que tu me demandes? Viens manifester l'amour. Parce que nous savons que c'est toi qui as l'origine de toute la bénédiction. Et nous voulons le faire. Ce qui va nous motiver, c'est l'amour. La Bible déclare qu'il nous a aimé le premier. Voilà pourquoi nous aimons en retour. Donc cela veut dire que tout ce que nous sommes en train de manifester n'est que la réponse à son amour. Ce n'est pas la racine de ma bénédiction. La racine de ma bénédiction, c'est lui. Et ce que moi je fais n'est que la réponse à son amour. Quand je fais une offrande, c'est pour dire Seigneur merci. Mais comment toi on va te
demander une offrande pour que Dieu puisse te bénir. Et toi, gozo, 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 tu viens et tu fais. Toi-même, la première personne qu'on doit arrêter, mais ce n'est pas le prophète, c'est toi. Parce que même quand on parle comme ça, là, est-ce que vous voyez quelqu'un venir faire offrande? Pas. Mais dès qu'on a claqué comme ça, je vois. J'ai venu donner. C'est vous qui avez gâté même les gens. Tout ce que nous recevons, notre salut est exclusivement en qui? En Christ. Prenons psaume. Psaume 22. Non, psaume 62. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit oui. J'ai pris cette version, on dirait que c'est une parole de vie. Voilà. Vous, vous avez lu second, je sais que ce n'est pas pareil. Au verset 2, il dit oui auprès de Dieu seul. J'ai aimé cette version à cause du seul. En somme, ici, ils ont dit quoi? Attends, je vais voir. Oui, c'est en Dieu mon âme se confie. Mais ici, oui, auprès de Dieu seul. Le Seigneur n'a pas besoin de pneus secours. Il n'a pas besoin d'additifs. Il n'a pas besoin de colorants. Il n'a pas besoin de soutien. Il est Dieu et il domine sur toute la terre. Il est Alpha et Oméga. Il est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il dit, je suis Dieu et je domine sur toute la terre. Donc, lui seul peut répondre à tous tes besoins. Bien aimé, arrêtez de croire que ton salut, c'est Dieu plus quelque chose. Non. Non. Ton salut, ce n'est pas Dieu plus quelque chose. Ton salut, c'est Dieu plus Dieu. Dieu ne peut pas commencer un travail et toi, tu pourras l'achever. Il dit, celui qui a commencé une chose aussi belle, il la rendra comment? C'est en Dieu seul. Oui, auprès de Dieu seul, je connais le repos. Le repos de ton âme. Le repos de ton salut. C'est en Dieu seul. Là, nous sommes là dans le langage de l'Ancien Testament. Voilà pourquoi le nom de Jésus-Christ n'est pas mentionné. Mais c'est en Jésus-Christ seul, parce que le salut, c'est une personne. Le salut, ce n'est pas une méthode. Le salut, ce n'est pas une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Le salut, ce n'est pas un matériel. Le salut, ce n'est pas de l'argent. Le salut, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Il dit, mes yeux ont vu ton salut. C'est un homme qui l'a vu. Zachée dit, le salut est rentré chez moi. C'est un homme qui a pénétré sa maison. C'est un homme. Ce n'est pas une méthode. Ce n'est pas une stratégie. Ce n'est pas une liste de choses à observer. C'est une personne. Et lorsque cette personne est délivrée, c'est lui notre délivrance. Donc, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ et tu es encore possédé. Maintenant, qui va te délivrer? Un pasteur en Bretagne? Mais c'est la plaisanterie. Papa, aide-moi. Papa, aide-moi. Papa, fais quelque chose. Le Seigneur, il est là-haut, là-bas, et puis il est étonné. Il dit, Et c'est qu'il est plus étonné, mais des Ivoiriens. Parce que s'il y a des gens qui aiment exagérer, mais c'est les Ivoiriens. Hein? Non, on a dépassé les Congolais. Ivoiriens. Ah, c'est moi au Congo, il n'y a pas Jésus Baoulé. Actuellement, on a dépassé le cap. C'est en Dieu seul. Je vous ai donné ici la définition de la foi. La majorité des chrétiens définissent la foi à partir de Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais ça, ce n'est pas la définition de la foi pour nous. Parce que nous ne sommes pas dans l'espérance. La définition de la foi pour nous se trouve en Hébreux chapitre 12. Ayant le regard fixé sur Jésus-Christ, lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Avoir le regard fixé sur Jésus-Christ, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Toi, tu vas me demander d'espérer. Jésus-Christ n'était pas là, on a espéré. Jésus-Christ est là, comment j'ai espéré? Je n'espère pas. Je crois que je l'ai et je l'ai au nom de Jésus-Christ. C'est ça la foi. En Dieu
c'est même pas en ta prière. Ce matin. Parce qu'avant que tu ne commences à prier, Jésus, même en Jean chapitre 17, il a fait une prière pour toi. Il dit, Père, je prie non pas pour que tu les ôtes du monde, mais pour que tu les préserves du monde. Donc lorsque je suis préservé, ce n'est pas à cause de ma prière, c'est à cause de la prière de Jésus-Christ. Et on va te dire, c'est parce que tu as prié que Dieu t'a délivré. Et si tu n'avais pas prié? Et quand tu dis ça comme ça, ta chair exaltée, il est prié bien. Tu es un plaisantin. C'est Jésus-Christ qui a prié pour toi. C'est ce qui fait que toi, tu es libre. Même quand le pasteur prie, c'est le Seigneur qui accorde. Amen ou pas amen. C'est lui qui fait. On continue. Ah, alléluia. Oui, auprès de Dieu seul, je connais le repos. Il revient, il dit, mon salut vient de lui. Tu as tellement l'image de ton pasteur, mais quand tu bois café, tu penses à lui. Tu fais un rêve, tu as vu une jeune fille qui a marié de nuit. Et le passé ne peut plus dormir. C'est en Dieu. Pose, tape ton voisin. C'est en Jésus ton salut. C'est en Jésus ton salut. Parce que si tu ne remplaces pas le pasteur par Jésus, le jour que tu vas voir le pasteur t'es dans ses bâchés et dans un couloir, ta foi va partir. Même le pasteur. C'est Christ qui est notre salut. C'est lui qui ne change pas. C'est lui qui n'a pas de courbe, il n'a pas de relief. Il est pareil. Il dit, il continue. Lui seul, il continue encore. C'est mon solide rocher. Il dit, lui seul est quoi? Et il tape la poitrine. Lui seul est mon solide rocher. Tape la poitrine avec moi. Lui seul est mon solide rocher. Lui seul est mon solide rocher. Lui seul est mon solide rocher. C'est ce que la Bible dit, c'est pas ce que moi j'ai dit. Cette parole-là, tu dois ouvrir ton cœur. Tu es le gardien de ton cœur ce matin. Ouvre ton cœur et laisse cette parole-là. Mets ça dedans. C'est lui seul qui est mon solide rocher. Laisse ça dans ton cœur. Lorsque tu auras les difficultés, tu vas voir que tu vas t'appuyer sur cette parole. Parce que ça va se proliférer dans ton cœur. Parce que lui seul est ton rocher. Lui seul me sauve. Il n'y a pas une autre personne qui te sauve. Tu sais qui est en train de parler? Très bien. David, voici une personne qui a marché dans la grâce. Parce que lorsque David va commettre le péché avec Bathsheba, selon la loi, qu'est-ce que nous devons faire? Pour être pardonné. Hein? Non, pour être pardonné. Mais regardez la déclaration de David. Il dit, si tu eusses voulu, je t'en aurais offert. Mais ce que tu veux, ce n'est pas ça. Donc dans une dispensation où c'est les animaux qui parlent, lui il arrive à discerner le cœur de Dieu. Et que ce n'est pas ça que tu veux. Non. Ce n'est pas ça que toi tu veux. Et c'est lui qui a dit. Paul a cité l'une des déclarations de David. Là-bas, nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 4, à partir du verset 8. Il dit, heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas son péché. C'est-à-dire, il a pris même une déclaration de David, tellement que c'était pertinent. Et puis, toi, tu es dans la dispensation maintenant de la grâce. Toi, tu cherches maintenant mouton pour aller chercher bénédiction. Tu vois qu'on doit t'arrêter. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est quelqu'un qui a vécu. Il dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains. Oh! Pourquoi? 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 Est-ce que vous là, je dis à vous. Pourquoi? Parce que tu es avec moi, Seigneur, je ne crains rien. Voici quelqu'un qui n'avait pas le sang de Jésus-Christ. Voici quelqu'un qui n'avait pas le souffrance de Jésus-Christ. Voici quelqu'un qui n'avait pas la croix. Mais toi, tu as tout ça. Voici quelqu'un qui n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Il y avait le Saint-Esprit qui était avec lui. Mais regarde les déclarations qu'il fait.
Et toi, tu as le sang. Tu as l'œuvre de la croix. Tu as le Saint-Esprit. Et puis tu cherches pour faire voyant. On continue. Il me protège avec puissance. Il dit, mon Père qui me l'a donné est puissant. Et il est capable de garder ses dépôts. Il est capable de garder tout ce que tu m'as donné. Il est puissant. Jésus-Christ est puissant. Et s'il t'a saisi, aucune personne ne pourra t'enlever dans ses mains. Ton amen me décourage. Parce que quand tu dis amen, le cœur s'ouvre et la parole pénètre comme ça. Je dis, Jésus-Christ est puissant dans ta main. Il est puissant pour te délivrer de toutes sortes, de toutes formes de malédiction, de voûtement, de fétichisme, de quoi que ce soit. Il est puissant. On continue. Je ne peux pas tomber. Il dit qu'il ne peut pas tomber. Bien-aimé, j'aimerais que ces paroles-là, tu ouvres ton cœur présentement et que tu déposes ces paroles-là dans ton cœur. Pour que s'il y a quelqu'un après cette prédication-là qui t'appelle. Tu sais, ce n'est pas forcément à l'église qu'on a un prophète. Tu peux te retrouver à l'hôpital. Mais monsieur, avec votre maladie, là, vous allez mourir demain. Arrière de moi, Satan. En Christ, je vivrai au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit le domaine, et que la parole qu'on va déclarer sur ta vie n'est pas conforme à ce que tu as cru, rejette cette parole-là. Et laisse que la parole du Seigneur soit sur la plateforme de ton cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, je ne peux pas tomber. Oui, je dois me reposer près de Dieu seul. Quand il dit, je dois me reposer auprès de Dieu seul. Nous qui sommes dans cette alliance, lorsque nous avons les défis, nous devons nous reposer sur l'œuvre de la croix. Seigneur, la Bible déclare que par tes maîtres cieux, nous sommes guéris. Je me repose donc sur tes maîtres cieux, Seigneur Jésus-Christ, pour la guérison de ma fille, pour la guérison de mon fils, pour la guérison de tout ce qui vient dans ton esprit. Seigneur, je me repose. Pourquoi tes maîtres cieux? Tu as dit, par tes maîtres cieux, nous sommes guéris. Pas nous allons être guéris, mais tu es un Dieu qui se conduit au présent. Je proclame les maîtres cieux dans la guérison de mon enfant. Je proclame la guérison maintenant dans ma vie, Seigneur. Je le crois et je le proclame au nom de Jésus-Christ. C'est tout. Et ces choses-là vont s'accomplir dans ta vie. Oui, je dois me reposer près de Dieu seul. C'est lui qui me donne de l'espoir. Lui seul est mon solide rocher. Lui seul me sauve. Il me protège avec puissance. Je ne peux pas tomber. Mon salut et mon honneur viennent de lui. Mon salut et mon honneur, quelle que soit ta position que tu occupes sur cette terre, et que les gens ne veulent pas t'honorer, parce que tu ne fais que montrer Christ, parce que tu ne fais que montrer Christ, les gens ne veulent pas t'honorer. En disant c'est toi qui es le trois fois saint, en disant c'est toi le trois fois juste, en c'est toi qui es l'enfant de Dieu, les gens sont en train de te mépriser. Et les gens même sont prêts à soulever tout ce qui est digne de déshonneur. Mais t'inquiète pas. Ne t'inquiète surtout pas. Mon salut et mon honneur viennent de lui, Jésus-Christ. Tôt ou tard, les gens vont célébrer ce que tu es devenu et ce que tu es en Christ. On peut ne pas voir maintenant, mais les gens finiront par le voir. Laban, il a trafiqué Jacob. Il a servi pendant combien d'années? Pendant combien de temps il a servi? Il a tout fait pour le manipuler. Mais à la fin, il faudrait que tu trouves grâce à tes yeux. Bien-aimé, même l'occultiste le plus puissant viendra vers toi pour dire, il faudrait que je trouve grâce à tes yeux. Parce que je sais que celui qui est en toi, il est le créateur du ciel et de la terre. Les gens peuvent ne pas te montrer ça, mais ils savent au-dedans d'eux, ils ont un témoignage puissant de qui tu es. Ce n'est pas le monde qui va te révéler,
c'est lui qui va te révéler au monde entier, au nom de Jésus-Christ. On continue. Mon protecteur puissant et mon abri, c'est lui. Bien-aimé, ne te confie en rien. Enlève ton espoir sur Citron. Enlève ton espoir sur, comment on appelle, huile. Enlève ton espoir sur aïe. Tu viens un thérapeute, quoi là. Si tu veux que ta vie, si tu as besoin d'argent, il faut mettre le miel sur toi. Il y a un gars qui a rendu témoignage. Ma chambre était remplie de fourmis. Mais qu'est-ce que toi tu veux? Mais c'est fourmi qui est venu près de toi. C'est fourmi qui est venu près de toi. Ils ont infantilisé des gens parmi vous. Devant une banque financière, il faut prendre le sang, faire une action prophétique. Bro, tu t'en vas sous prétexte que c'est Dieu. Il y a des choses qu'il ne faut pas comprendre, mais il faut faire. Non! Ce mystère qui était caché a été révélé par l'apôtre Paul. Dieu manifesté en chair pour ta bénédiction. Voici ce mystère caché. Il n'y a pas autre chose encore à révéler. Il dit, mon salut et mon honneur viennent de lui. Mon protecteur puissant et mon abri, c'est lui. Vous qui êtes là, ayez confiance en lui. Oh, cette version-là me plaît. Vous qui êtes là, ayez confiance en lui et lui seul. Tu sais, le véritable serviteur de Jésus-Christ, voici ce qui va se passer dans ton cœur. Lorsque tu auras un défi, tu vas réaliser que le Christ est avec toi. Mais si toi, la prédication fait que quand tu as un problème, tu appelles tout de suite ton pasteur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La prédication doit te ramener toujours vers le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand la prédication fait que c'est toi qui es toujours au centre, c'est qu'en Dieu et toi, il y a rivalité. Qu'est-ce que Jean a dit? Il faudrait que moi je diminue pour que toi tu aies. C'est lui seul que nous devons voir dans cette communauté, au nom puissant de Jésus-Christ. Dites-lui ce que vous voulez. Dites-lui ce que vous avez dans le cœur. Dieu est pour nous un abri. Oui. Vous voyez, non? Qu'est-ce que vous voyez? Oui, les humains ne sont qu'un souffle. Les habitants de la terre savent seulement que, une fois que la parole ne vient pas de Christ, c'est un mensonge. C'est-à-dire, ce qui sera fait avec aisance, c'est quoi? Voilà pourquoi lorsque le Seigneur se présente, il dit « Je suis le chemin ». La vérité, c'est une personne. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Et si tout ce qui sort ne pointe pas Jésus-Christ, c'est un mensonge. Mon frère, viens faire une offrande, Dieu va te bénir. Est-ce que tu as vu Christ dedans? Est-ce que tu as vu Christ dedans? Il y a des gens qui jouent avec la bénédiction. Il y a la bénédiction. Oh, tu mens. C'est faux. S'il y a une bénédiction qui touche le cœur de Dieu, là, c'est le Christ. Il sait tout. Il dit les habitants de la terre, là, c'est le paflotage, c'est mensonge. Toute parole qui ne cadre pas le Christ, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Et c'est ce qu'il dit. Il dit les habitants. Il dit, les habitants de la terre savent seulement mentir. S'ils montaient tous ensemble sur une balance, ils ne pèseraient pas lourd. Donc tout prédicateur qui ne pointe pas du doigt Jésus-Christ est un. Pour ne pas qu'on te frappe dehors, si tu l'appelles menteur, il faut fuir. Fuir! C'est ce que 2 Jean chapitre 1 nous dit. Il dit, si quelqu'un ne démet pas si la doctrine de Christ, qu'est-ce qu'il doit faire? 2 Jean chapitre 1, il n'y a pas le verset là, mais je vais lire pour vous. 2 Jean chapitre 1, à partir du verset 8, il dit quoi? Il dit, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Au verset 9, va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. La doctrine de Christ, c'est quoi? C'est la grâce. Nous l'avons contemplé pleine de grâce et de vérité.
Christ, c'est la grâce, c'est l'amour de Dieu. C'est l'expression de Dieu pour nous. Celui qui ne demeure pas dans cette doctrine n'a pas le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites même pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Ah non, comme il m'a demandé une bénédiction pour que je sois délivré là. Bon, ce n'est pas parce que je crois, hein. Non, je vais faire juste comme ça. Oh, tu es son collaborateur direct. Vous êtes ensemble. Bien-aimé, si toi tu m'écoutes peut-être pour la toute première fois, peut-être tu as dit, mais c'est choquant. C'est pas ce que j'ai pour habitude d'entendre. Moi, j'ai fait comme si, j'ai sémé comme si, j'ai fait ça, ça s'est décanté. C'est la bonté de Dieu. Le problème, souvent, c'est la réussite. Dieu, il est tellement bon qu'il agit dans votre vie, indépendamment même de la foi. Dieu est tellement bon. Et tu vois, tu penses que c'est parce que tu as gêné pendant 3 jours que Dieu t'a guéri. Non, Dieu t'a guéri à partir de Christ. Tu penses que c'est parce que tu as fait une offrande que tu as reçu. Non, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste encore dans ta vie. C'est parce que tu ne réalises pas et que tu penses que c'est ta capacité. C'est comme ça qu'il y a des gens qui disent que moi, quand je prends 3 jours, ça marche. Dieu le fait, il n'y a pas de problème. Ces personnes-là ne diront pas qu'elles ont eu honte après. Quand elles ont persisté, c'est arrivé dans une semaine de jeûne. Elles ont persisté 2 semaines de jeûne. Après 1 mois de jeûne, il y en a d'autres même qu'on a pris, ils sont morts. C'est Christ seul qui est la réponse de Dieu pour nous. C'est-à-dire tout ce dont nous avons besoin. C'est Christ. Quel que soit ton besoin qui est sur la terre, c'est Christ. Christ est la réponse de Dieu pour nous tous. Ouvre ton cœur et dépose cette parole là-dedans. Et si tu as déposé, tu fermes. Le jour que quelqu'un, et tu dis maintenant toi qui es le gardien de ton cœur, tu vois cette parole que je viens de lire là, non? Il faut enregistrer. Le jour qu'une personne vient dire quelque chose de contraire, il faut repousser cette parole. Amen. Maintenant, si on doit revenir un peu peut-être en arrière, si présentement dans le cœur, il y a des gens quand que tu as ligoté dans le cœur, commence à le faire sortir, puis on va fermer une bonne fois pour toutes. S'il te plaît. Hein? S'il y a quelqu'un que tu as enfermé, ouvre, fais sortir cette personne-là rapidement. Il ne faudrait pas qu'il reste avec l'amour de Dieu que je viens de s'aimer dans ton cœur. Hein? Libère-le, enlève-le rapidement. Et tu refermes cette porte-là. Laisse seulement que le Seigneur Jésus-Christ se proliférer dans ton cœur. Qu'on t'ait fait mal, mais ça ne pourra que confirmer la parole de l'Écriture. Parce que toi, tu es lumière, on doit te faire mal. Ça, c'est ce qui est. Parce que j'ai expliqué ici que lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas seulement que la gloire qui est attachée à notre vie, il y a aussi la souffrance qui est attachée à notre vie. Donc ça serait une utopie pour toi d'être dans ce monde-là. Ah non, moi je ne vais pas souffrir. Ce n'est pas la souffrance liée à les malédictions générationnelles, mais c'est la souffrance liée à la sainteté, à l'amour que tu pourras manifester. Pendant que tu seras en train de manifester l'amour, les gens vont te faire de la méchanceté. Et tu continues à manifester l'amour. C'est ça qui est notre souffrance ici, sur la terre des hommes. Donc être dans ce monde et ne pas souffrir, c'est une utopie. C'est faux. Parce que Jésus-Christ même était le modèle. Il a souffert. Et il n'a pas ouvert la bouche. Amen. Est-ce que je peux compter sur vous? Tout à l'heure, quand on va prier, tu vas dire, Seigneur, je viens de recevoir ta parole. Que ce soit toi seul que je dois compter. Pour le fondement de la vie chrétienne, pour l'ABC de l'évangile, ce numéro 3 de la cardiologie, je veux que tu mènes dans ton esprit. Et que il y a des messages, c'est une seule dose. Tu n'auras pas encore besoin de quelque chose à part ça. Dès que tu reçois cette parole, que c'est Dieu seul qui est ton salut, quel que soit le problème, comme David, lorsque tu seras en train de marcher dans le vallée, dans la vallée de l'homme de la mort, tu sais que Dieu seul est ton abri. Il est ta force. Et c'est lui ton solide rocher. Et si tu as cette parole-là dans le cœur, tu vas voir que le miracle sera manifeste dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Comment? Lève-toi, ma prière. Lève-toi. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Bien-aimé, lorsque tu avais des difficultés, tu as eu le temps de regarder soit peut-être un ami. Tu as eu le temps de regarder soit un frère. Tu as eu le temps de regarder soit peut-être ton pasteur. Mais ce soir, j'aimerais que l'exclusivité revienne uniquement qu'à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Il faut commencer à inscrire ça. Lorsque tu seras en train de prier, tu dis, Seigneur,
Toi seul es le maître de mon cœur. Toi seul es le maître de mon cœur. Toi seul. J'aimerais que ton nom intérieur puisse parler. Je ne veux pas ton corps. Je ne veux pas des manipulations, juste des jeux de mots. Je veux que ça provienne vraiment de ton ventre, de ton esprit, ce qui est à l'intérieur de toi. Toi seul es mon abri, Seigneur. Pas un homme, pas un homme, pas une femme, mais toi seul mon abri. Même si des gens t'ont abandonné et que c'est difficile pour toi présentement de pouvoir évoluer, mais toi seul es mon abri, Seigneur. Même si les gens t'ont délaissé, il faut proclamer que toi seul, Seigneur, est mon abri. Même si tu as des difficultés aujourd'hui pour scolarité des enfants et qu'on te propose des choses bizarres, dis Seigneur, toi seul es mon abri. Vas-y, élève la voix et commence à prier. Seigneur, dans cette mission, tu es mon abri. Pour grâce sur grâce, tu es notre abri, Seigneur. Et nous savons que nous irons très loin avec toi. Lorsqu'on parlera de l'évangile ici en Côte d'Ivoire, grâce sur grâce pourra être illuminée dans le cœur de plusieurs personnes. Les gens connaîtront cette mission, non pas à cause du pasteur, mais à cause de la pertinence de ta parole, à cause de la révélation de ce que tu es, de ce que tu as fait pour nous il y a plus de 2000 ans. Ô Seigneur Jésus-Christ, grâce sur grâce compte sur toi. Tous les membres de grâce sur grâce comptent sur toi, toi et toi seul. C'est toi qui es venu mourir à la croix de Golgotha. C'est toi qui es venu te sacrifier pour nous, Seigneur. Nous avons le regard fixé sur toi, Père. Apprends-moi, Seigneur. Nous avons le regard à compter. Le regard fixé sur toi. Le regard fixé sur toi, Père. Le regard fixé sur toi. Apprends-moi, Seigneur. J'ouvre ce cœur. À compter. Le cœur de ton peuple. Toi. Nous laissons entrer ta parole. Et cette parole, le diable ne pourra pas la voler. Seigneur. Ce diable ne pourra pas la voler. Compter. Mais seulement que cette parole s'enracine au nom de Jésus-Christ. Apprends-moi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Oh, apprends-moi, apprends-moi, Seigneur, à compter. À des prédications qui ne viennent pas de toi, nous nous sommes détournés de l'œuvre de la croix. Par des hommes qui nous ont menti ça et là, nous nous sommes détournés de la puissance pour nous délivrer de toutes choses. Seigneur, ta parole vient nous faire du bien ce matin. Mes frères et moi, Seigneur, la main sur le cœur, nous élevons la voix et nous te disons merci pour la lumière, pour la révélation de ta parole, Seigneur. Ce matin, nous prenons l'engagement d'avoir les yeux rivés uniquement que sur toi et toi seul, Seigneur. Nous avons le regard fixé sur toi. Selon qu'il est dit,
Tu es le consommateur de notre foi. Nous avons le regard fixé sur toi. Toi qui es le chef et le consommateur de notre foi. Quelles que soient les nouvelles, quelle que soit la période, quelle que soit la difficulté, Seigneur, que nous traversons, mais nos yeux sont rivés sur toi. Parce qu'aucune personne n'est venue mourir à la croix de Golgotha si ce n'est que toi et toi seul, Seigneur. Aucune personne s'est dépouillée pour venir mourir à la croix de Golgotha si ce n'est pas que toi et toi seul, Seigneur. Raison pour laquelle je veux honorer ce matin à l'œuvre de la croix. Je veux honorer ton sacrifice à la croix de Golgotha. Je sais que ton sacrifice à la croix de Golgotha pourvoit à ma délivrance au nom de Jésus-Christ. Je sais que ton œuvre à la croix pourvoit à tous mes besoins. Tu es la réponse à tous mes besoins, Seigneur. Tu connais le défi de tes enfants, Seigneur. Tu connais les profondeurs de cœur de toutes ces personnes qui sont là. Ils sont venus là pour toi, non pas pour un homme, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu fais ton ministère maintenant dans leur cœur. La Bible dit, lorsque la parole est relâchée et que l'on ne la comprend pas, le diable viendra voler. Mais ici, il ne pourra rien voler de cette parole que nous avons relâchée au nom de Jésus-Christ. Ces paroles sont enracinées et fondées dans le cœur au nom de Jésus-Christ. Que la prolifération de cette parole commence maintenant à germer dans leur cœur. Et que les fruits soient visibles au nom de Jésus-Christ. Et que l'on sache que tu es Dieu et que tu résides au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons Jésus-Christ. Nos prières. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Car tu exauces nos prières. Car tu exauces nos prières. Apprends. Amen. Amen.